Je dirais à la limite, il y a deux objectifs. Le premier, c'est d'intéresser la Lorraine à l'événement de l'Euro 2016 qui se dispute en France, même si on n'a pas de terrain, de club, de ville haute. Bon, ben on fait participer, on fait vibrer un peu nos licenciés, nos footballeurs à l'événement qui va démarrer le 10 juin. Donc on veut les intéresser. C'est là que ça a été l'objectif de ce. En préliminaire, il y a eu Jeuf qui a été le démarrage de l'opération FFF Tour. Et puis elle s'est dit, ben, pourquoi uniquement qu'un seul événement qui a été un petit peu nationalisé, je dirais, par rapport, je dirais, aux personnalités qui étaient présentes. Hein. Je rappelle, bon, par exemple, tout le staff de la fédération, staff technique, plus le président de l'UEFA, donc c'était quelque chose. Et puis on s'est dit, ben, chaque district, s'il le voulait, il n'y avait pas d'obligation. Hein. Chaque président de district avait été invité à créer une journée festive. Ben, aujourd'hui, c'est la Meurthe-et-Moselle Sud qui démarre. Et je crois que ça va se poursuivre. Tout le calendrier est sorti pour les 5 districts. Donc, c'est ça. Et puis après, le deuxième objectif, c'est aussi de la forme d'éducation qu'on doit avoir les enfants. C'est la première étape de cette tournée de 5 étapes au total à travers la Lorraine. Bah, déjà, une chose magnifique, c'est le soleil. Hein. Je crois que pour les enfants, pour les éducateurs, les encadrants, les bénévoles, c'est quand même déjà la première chose. Ensuite, bah, je crois qu'on est sur des installations adaptées à ce dispositif, parce que avec tous les ateliers qui sont mis en place à droite et à gauche, plus de terrain de pratique. Voilà. On est là pour se faire plaisir, mettre aussi en valeur l'Euro 2016 à travers, bien entendu, 2-3 ateliers, puisque c'est dans un mois, c'est bientôt. Donc il faut aussi que les jeunes soient dans cette démarche-là. Nombre d'équipes, par le temps qui est magnifique aujourd'hui, par les installations qui sont de qualité, et par l'investissement des jeunes et des éducateurs tout autour des ateliers qui sont proposés cet après-midi, ben oui, on peut dire que c'est une grande réussite. Et on véhiculé par le sport, les valeurs de respect, de solidarité, d'entraide, de compétition aussi sont véhiculées par les ateliers techniques et tactiques, et puis la présence des stands de l'UNICEF également sur le terrain aujourd'hui démontre la volonté à la fois du district, de la Ligue, mais aussi de la ville de Lacsou, et bien d'être attentif à la jeunesse d'aujourd'hui en France en général et à Lacsou en particulier aujourd'hui.